Ici, Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau. Une sixième vague de la COVID. Les changements climatiques. La reprise de l'inflation. La guerre en Ukraine. Autant de raisons de nous décourager. Quand en sortirons-nous enfin? Ce sentiment pénible, nous l'éprouvons chaque fois que nous sentons que notre vie ou que notre monde est pris dans des cercles vicieux. Nous répétons les erreurs du passé, nous reprenons nos tristes habitudes, nous sombrons dans la même lassitude. Nous croyons en la paix, mais voilà la guerre qui reprend. Nous espérions la joie, mais la tristesse nous envahit. Nous attendions la guérison, mais la blessure s'ouvre à nouveau. Mes amis, Croire à la résurrection de Jésus, c'est affirmer que les perpétuels recommencements ne demeureront pas éternellement sans issue. C'est retrouver l'espérance au cœur des cercles vicieux qui nous cernent et s'engager à les briser. C'est refuser de se laisser envahir par le découragement et choisir de vivre pleinement, malgré les limites du moment présent. Croire en Jésus ressuscité, c'est ouvrir à s'ouvrir à, à une relation vivante, source de courage et d'espérance. Nous n'avançons jamais seuls, car celui qui a vaincu la mort marche à nos côtés. De nos courbes et de nos détours, il trace des lignes droites. Avec lui, les cercles vicieux deviennent des spirales qui nous purifient, nous transforment et nous élèvent. Grâce à lui, le pardon et la réconciliation deviennent possibles et nous pouvons faire route ensemble malgré nos différences. Faites-en Pâques cette année avec des cœurs enflammés par cette conviction. En son Fils Jésus, Dieu nous ouvre un avenir. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia.